Donc là, on va faire un petit rouleau de saumon fumé et saumon cru. Donc là, je hache le saumon cru pour l'assaisonner. On va également rajouter de la ciboulette. Un couteau qui coupe bien pour éviter d'écraser la ciboulette et qu'elle rejette son eau. Parce qu'en fait, c'est comme l'échalote, c'est très volatile. Donc il faut une lame bien aiguisée. Échalote ciselée. On va saler un petit filet d'huile d'olive, jus de citron frais et zeste de citron jaune. Et là, on va commencer le montage. Donc là, on a étalé nos bandes de saumon fumé. Essayez d'avoir un rectangle assez régulier au bord du papier film. Ensuite, à la base, on rajoute notre petit tartare de saumon assaisonné. Là, on va pouvoir former notre rouleau. On referme, on replie. Dès le début, on serre pour faire sortir l'air et pour avoir quelque chose de bien serré pour pouvoir le découper. On enlève le papier film, évidemment, pour ne pas le retrouver inséré dans notre rouleau. On roule pour resserrer, faire échapper l'air. Donc en fait, je fais extrémité par extrémité parce qu'en fait, sinon, on enferme l'air à l'intérieur. Et du coup, on a un rouleau qui n'a pas de tenue. Maintenant, on va stocker au frais et on va préparer notre assaisonnement. Alors l'assaisonnement, pâte d'arachide, sauce soja, vinaigre de riz, menthe, coriandre. Donc là, chisseau émincé qu'on va rajouter à la petite salade de navet long, daikon, qu'on a taillé en julienne et qu'on a fait tremper dans l'eau glacée pour le raffermir. Donc là, c'est dans l'esprit un petit peu japonisant puisque le chisseau, c'est une herbe que l'on sert traditionnellement avec les sushis et les sashimi. Ça sent un peu des arômes de cumin. Alors ça, c'est une salade qu'on ne va pas saler pour ne pas tirer l'eau, pour éviter que les végétaux se referment comme ça, n'aient plus de texture. On mélange du bout des doigts et dressage. Moi, je ne rajoute jamais d'éléments de décoration parce que je trouve que ça n'a pas de sens. Il faut que tous les éléments qui sont mis en scène soient dans la recette, soient les ingrédients de la recette. Après, j'essaye d'occuper l'espace pour que visuellement, les mets soient mis en valeur et que ce soit intéressant. Le premier contact d'un plat, il est visuel. Donc déjà, il faut que ça donne envie. Après, évidemment, quand la promesse, il faut tenir la promesse. C'est-à-dire que non seulement il faut que ce soit joli, agréable à l'œil, mais il faut surtout que ce soit bon. Encore une fois, c'est avoir envie de faire plaisir. Hein. Saumon fumé et saumon cru, citron jaune, la ciboulette, échalote ciselée, coriandre, sauce soja, vinaigre de riz, pâte d'arachide, menthe, chisseau émincé qu'on va rajouter à la petite salade de navet long. On va saler un petit filet d'huile d'olive, hors du papier film.